tu as suivi la première partie de cette vidéo, c'est que tu es avide des informations sur les sports-études au Québec. Et je comprends ton intérêt puisque cela peut avoir un impact important sur ton avenir. Sache que pour tout savoir sur ces solutions, tu peux trouver beaucoup d'informations sur mon site web et aussi sur le site de Basket Avenir Éducation, qui est l'association qui gère 4 académies dans le monde, dont celle du Québec. Si tu n'as pas vu la première partie de cette vidéo, je te conseille d'aller la voir de suite. Il est important que tu puisses avoir tous les éléments sur le cégep de Sherbrooke et sur ce programme sport-études très sérieux. Le but de mes vidéos sur le Québec que j'ai tournées en juin et en juillet 2018, c'est de t'expliquer comment fonctionne le système sport-études en Amérique. Car cela est vraiment très différent de ce que l'on peut connaître en Europe. En te donnant ainsi le maximum d'informations, j'espère que tu pourras prendre de bonnes résolutions pour ton avenir et faire les bons choix. Tu peux toujours me consulter si tu n'es pas sûr de toi. Sans aucun problème, je suis là pour ça. Je te laisse maintenant visionner la deuxième partie de l'interview que j'ai fait avec le coach Pierre-Luc. Est-ce que tu peux nous expliquer les particularités de ton programme à toi? Donc, pour faire l'histoire courte, on va faire ça assez abrégé. Nous, on commence en août. En août, quand le cégep commence, il y a toujours un camp ouvert que les jeunes du cégep peuvent se présenter pour essayer l'équipe. C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a déjà un noyau de l'équipe qui est déjà présélectionné. Mm-hmm. Je dirais en 10 et 12 joueurs, on prend maximum 15 joueurs dans l'équipe. Donc une semaine, puis après ça on commence. C'est 3 entraînements collectifs par semaine en équipe, donc 2 heures. On a 2 à 3 pratiques de skills, de pilotage individuel, où on va travailler les fondamentaux, qui est plus sous forme optionnelle. Optionnelle dans le sens que si tu es d'une semaine chargée d'école puis tu as besoin d'étudier, ben, tu n'es pas obligé de venir. Ou si toi, tu as des objectifs plus élevés qu'un autre, ben, tu peux venir 3 fois. Si toi, pour toi, une fois par semaine, plus les 3 pratiques d'équipe, c'est suffisant, ben, tu peux venir 1 fois. Ensuite, on a la salle de muscu, le programme de musculation qui commence à ce moment-là aussi. En même temps, dans l'année, on va jouer 40 matchs environ, 15 matchs de ligue, les championnats de fin d'année, 20aine de matchs-là, puis une autre 20aine de matchs, soit sous forme de tournois, matchs amicaux ou des jamboree de basketball, là où c'est un rassemblement d'équipes qui jouent plusieurs matchs, mais sans avoir une finalité avec une finale comme un tournoi. Mm-hmm. On va jouer en Ontario. Les dernières années, on est allé à Peterborough, on est allé à Belleville, on est allé à Ottawa. Aux États-Unis, on est allé à Boston, on est allé à Hampton. On est allé à plusieurs autres petites villes au bord des frontières où il y avait des prep schools. Mm-hmm. Je pense que pour nous, un des moments marquants, ça a été quand on est allé jouer contre Kimball Union. Mm-hmm. Un prep school bien réputé au niveau scolaire aux États-Unis. Il y avait un joueur montréalais qui jouait dans cette équipe-là qui va jouer NC Division 1 l'année prochaine là, pour montrer un peu le niveau. Là. Donc on est allé chercher des matchs dans ces régions-là. On joue aussi des matchs au Québec. Là. On va à Montréal, Québec, les 2 plus grandes villes de notre province. D'accord. Donc on fait ça. En avril, c'est la fin de l'année avec les championnats de fin d'année. Quand ça c'est terminé, on laisse 2-3 semaines aux athlètes pour récupérer, on recommence en mai, on fait mai-juin, puis on termine la première semaine de juillet. Puis là, c'est un moment où on est plus dans le développement individuel, 3-4 pratiques de skills par semaine. On joue 10, 12, 13 matchs, plus dans la région autour pour pouvoir aller mettre ces habiletés-là en situation de match, parce qu'on s'entraîne fort pour jouer ces matchs-là. Puis quand on arrive juillet, là, on tombe en repos jusqu'à début à août. Un repos pas obligatoire, dans le sens qu'il y a encore des athlètes qui viennent me voir qui me disent hey, « Coach, j'aimerais ça, on aille lancer, on aille travailler les habiletés. » Fait que 2 fois par semaine, je vais dans le gymnase, mais c'est vraiment juste avec ceux qui ont le goût d'en faire encore un petit peu plus. Ouais. Là, c'est vraiment plus un moment de repos pour la majorité. Puis en août, ben, on recommence. Oui, parce que toi, tu as, en tant que coach du programme, tu demandes, si tu as des demandes de joueurs, tu peux leur ouvrir le gym. Tu peux venir avec eux s'entraîner. Les gymnases, hein, parce que enfin, vous voyez en même temps à l'image, hein, je vais mettre des, des,
des images du plateau. On appelle ça un plateau. Il y a combien, quatre terrains. Quatre terrains sur votre plateau. La musculation, on traverse un couloir, on fait 20 mètres, on est dans une superbe salle de musculation. Je mettrai aussi l'image en, pendant notre interview. Tout est au même endroit, dans le même bâtiment. Quand des joueurs veulent s'entraîner, ils demandent au coach et le coach fait une demande et ils peuvent s'entraîner. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de soucis particuliers avec ça. Coach, est-ce que tu fais du travail vidéo et à quel volume? Oui, on fait du travail vidéo. La majorité de nos parties sont filmées. Ça fait en sorte qu'on peut presque toutes les semaines faire de la vidéo. Dans le fond, les entraînements du lundi, les athlètes sont convoqués une heure avant l'entraînement. On fait de la vidéo sur notre équipe. Souvent, on va parler de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné. Quand on n'a pas de vidéo à ce moment-là, on l'utilise pour faire... Tu travailles pour parler de la préparation mentale, préparation d'avant-match, visualisation, on parle de la nutrition, on peut parler du planning si on s'en va en tournoi pour savoir comment ça va fonctionner. Le mardi, on va aussi convoquer les joueurs à peu près 30 minutes avant l'entraînement, puis on va souvent parler du match qui s'en vient, faire de la vidéo sur l'équipe contre qui on va jouer pour avoir la chance de voir quel système qui joue offensivement, défensivement, pour être préparé. La vidéo, c'est comme toutes les autres habiletés de basket, il faut le travailler. Ça veut dire qu'on commence dès le début de l'année, même si au début de l'année, on se concentre davantage sur nous, il faut apprendre à connaître c'est qui les lanceurs, c'est qui les drivers, c'est qui fait quoi sur quel type d'écran pour être prêt à la fin de l'année d'être capable de s'ajuster aux équipes contre qui qu'on affronte. Oui, pour toi, ça fait partie de la formation de tes joueurs à apprendre au fur et à mesure de travailler, d'être capable de travailler avec la vidéo. Certainement, certainement. Apprendre à comprendre qu'est-ce qui se passe pour l'autre équipe, mais aussi apprendre à écouter, à faire de la vidéo, apprendre à avoir la discipline d'être attentif. Écouter de la vidéo, un match de basket, faut pas que tu sois spectateur à ce moment-là. T'es là pour apprendre, pour pouvoir t'ajuster, pour pouvoir faire des ajustements. Quand il attaque à droite, est-ce qu'à toutes les fois il lance? Puis quand il attaque à gauche, il sera à l'anneau. Ça, c'est des habiletés que tu développes d'avoir la concentration, d'écouter puis d'observer ces détails-là. Fait que oui, il y a une partie que le coach va te dire, mais il y a une partie que toi, comme athlète, tu sais que ce match-là, tu risques de défendre le numéro 10, le numéro 11. Mais les séquences qu'on va montrer, qu'est-ce qui fait le numéro 10, le numéro 11? Fait que ça fait partie des habiletés à développer. Dernière question, hein, pendant qu'on se balade un petit peu dans le cégep. Moi, j'aime beaucoup ce couloir, là, donc je voulais faire un plan ici. Coach, quel est l'intérêt pour toi de recruter? Parce que cette année, tu vas avoir deux joueurs français, si je ne me trompe pas, hein, que BAE Academy t'a envoyé. Quel est pour toi l'intérêt d'avoir des joueurs internationaux et français? Il y a deux bonnes raisons pourquoi on veut des joueurs internationaux. La première, c'est qu'on veut être la meilleure équipe possible. Donc, plus qu'on élargit notre éventail de la provenance des joueurs, plus qu'il y a de chances qu'on ait les meilleurs joueurs possibles. Puis que ma perception, c'est la meilleure manière de se développer, c'est en jouant avec les meilleurs. Fait que si on réussit à amener un, deux ou trois joueurs français de haut niveau, bien, ça va augmenter le niveau des entraînements, puis par le fait même, augmenter le niveau de l'équipe. C'est la première chose qui nous intéresse. La deuxième aussi, c'est qu'en ayant des joueurs provenant de différents milieux, avec différentes formations, bien, ça augmente l'éventail des possibilités dans nos systèmes offensifs, défensifs, parce que chaque joueur amène son côté d'expérience, puis ses connaissances de basketball, puis permet d'aider l'équipe à progresser. Donc, il y a un cheminement différent qu'un joueur québécois ou qu'un joueur ontarien, puis ça lui permet bien, de partager ça, puis d'aider le groupe à prendre un niveau supérieur par la suite. Ok, super coach. Bah, écoute, là on fait un petit plan de la salle en même temps, du fameux couloir. Et je voulais te remercier pour ton accueil. Et puis bah, écoute, on fera peut-être une interview l'année prochaine. Je vais vous attendre. Et tu me diras comment se sont comportés les joueurs français chez toi. Et puis, voilà, hein, le but étant évidemment que le basket progresse. Donc merci beaucoup.